bonjour, bonjour, vite un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Nanou, va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami, Zou, et vous. Zou, j'ai un ami pour tout. Zou, j'ai un ami, Zou, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est tout. Je suis Messire Zou, et voici mon fidèle écuyer, Pok. Je suis sauvée. Messire Zou, ramenez-moi à Elzéland. Vous voilà, saine et sauve, princesse. Merci, chevalier. Comment puis-je vous remercier? J'aimerais être roi. Pas question, Zou. Mais Elzé, quand on joue au chevalier et à la princesse, le chevalier sauve toujours la princesse et devient le roi. C'est la règle. Pas cette fois. On est à Elzéland. C'est moi, la future reine Elzé. Ah, eh bien si c'est ça, moi aussi je vais avoir mon propre royaume. Voici mon royaume. Je vais l'appeler Zouland. Toi, tu seras ma mascotte royale, Pok. À partir de maintenant, c'est moi qui commande. Il faut que j'aille l'annoncer à tout le monde. Maman, papa, j'ai une grande nouvelle. Ah oui, laquelle? Désormais, nous habitons au royaume de Zouland. Et moi, je suis le roi. Donc, c'est moi qui commande. Vraiment, mon Zou? Mais tu ne peux pas être roi si tu n'as pas de couronne. Oh, je n'y avais pas pensé. Maman a raison. Tous les vrais rois portent une couronne. Si j'en trouve une, je pourrais être roi? Si tu trouves une couronne avant le déjeuner, tu auras la permission de t'asseoir en bout de table et d'être le roi. Youpi! Je vais être roi! Mais attention, tu n'as que 30 minutes pour te trouver une couronne. Je vais être roi, je vais être roi. Nanou, tu sais quoi? Je vais être roi. Tu vas être roi? Oui, mais il me faut une couronne. Où je peux en trouver une? Oh, je n'en sais rien. Je ne me souviens pas avoir vu de couronne. Mais tu vas aussi avoir besoin d'un trône. C'est quoi un trône? C'est un siège majestueux sur lequel s'assoient les rois. Il m'en faut un pour midi. Oh, un couronnement pour le déjeuner, comme c'est charmant. Un couron... quoi? Un couronnement. C'est quand un nouveau roi met sa couronne pour la première fois devant ses loyaux sujets. Je dois me dépêcher, sinon je risque de rater mon couronnement. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Oh, bonjour, Zou. Si je trouve une couronne et un trône avant l'heure du déjeuner, j'aurai le droit de m'asseoir en bout de table et d'être le roi de Zouland. C'est là que nous habitons maintenant. Moi, je serais très fier si mon petit-fils était roi. Si tu veux être pris au sérieux en tant que roi, il te faut un manteau royal violet. C'est indispensable. Un manteau royal? Oh, papy, comment je vais pouvoir trouver tout ça avant le déjeuner? C'est beaucoup trop dur. Tu sais, les rois ont toujours des conseillers royaux et je serais heureux de t'aider dans ta quête, Zou. Oh, merci, papy. Viens. D'accord. Bon, d'abord, une couronne. Ah. Waouh. De quoi j'ai l'air? D'une très jolie lampe. Que penses-tu de ceci? Ça ne ressemble pas non plus à une couronne. Ah, si on en fabriquait une en papier journal, ça fera l'affaire. Laisse-moi essayer. Et voilà! Maintenant, j'ai une couronne. Oh, bravo, Zou! Il me faut encore un trône majestueux.
es prêt à être roi? Il est presque l'heure du déjeuner. Pas encore. Je peux emprunter ça? Bien sûr. Merci. Oh, ça brille. Ça y est. Un trône doit être couvert de jolies décorations. Que dirais-tu d'utiliser ceci? Merci, papy. Ce trône est vraiment majestueux. Wow. Plus qu'une mission à remplir. Mais où allons-nous dénicher un manteau royal violet? La robe de chambre de papa. Oh non, sa robe de chambre est bleue. Il faut que je trouve quelque chose de violet. 5 minutes, Zou. Oh, 5 minutes. Zou, le déjeuner est prêt? Oui, presque, Nanou. Je peux t'emprunter ta couverture? C'est pour me fabriquer un manteau royal violet. Oh, bien sûr que oui, mais elle n'est pas violette, elle est couleur lavande. Lavande? Il me faut du violet. Je n'ai rien trouvé. Plus qu'une minute, Zou. Oh non! Mamie, je peux t'emprunter ta serviette? Oui, Zou, je te la prête. Chouette, je suis prêt! Youhou! Youhou! J'ai le grand honneur de couronner devant vous le roi de Zouland, roi Zou premier. Vive le roi Zou, hip hip hip. Hourra! Hip hip hip. Hourra! Hip hip hip. Hourra! Oh, j'aime beaucoup les couronnements. Et voici la tarte du couronnement. Maintenant que je suis roi, c'est moi qui prends les décisions importantes. Oh, quelle décision, votre majesté? Par exemple, à quel jeu on va jouer après manger? Et à quelle heure j'irai me coucher? Et quel parfum de classe on mangera? Et je déciderai de quel côté de mon lit je dormirai. Et quel jour j'irai à l'école? À moins que je décide de ne plus y aller. Oh. Eh bien, moi, je vais prendre la dernière part de tarte. Ah non, moi aussi, je comptais manger cette part. Je suis le père du roi. Et moi, je suis son conseiller royal. C'est à moi. Non, à moi. Arrêtez de vous chamailler. Roi Zou, vous allez devoir prendre une décision, on dirait. Alors, qui mangera le dernier morceau de tarte du couronnement? Il n'y a qu'une seule part et deux sujets se la disputent. C'est dur de choisir. Partagez. On partage? Oui, coupez la part en deux. Oh, je suis d'accord. Mais moi aussi. Vous avez pris une décision digne d'un roi, votre majesté. Félicitations. Oui, mais il y a beaucoup d'autres décisions à prendre, roi Zou. Ah oui, comme qui va utiliser la salle de bain en premier? Qui est de corvée de vaisselle cette semaine? Qui sortira les poubelles la semaine prochaine? Ça ne me plaît plus trop d'être roi. C'est dur de prendre des décisions. Mais c'est le travail des rois, Zou. Ça vous embête si j'arrête d'être roi? Peut-être que papa peut me remplacer? Ah, eh bien, si vraiment tu insistes, oui. Je te sacre roi, papa. Hip hip hip, hourra! Hourra! Ce qui veut dire que tu es la reine, maman. Moi, je veux bien être votre petit prince. Tu as toujours été notre petit prince, mon Zou, et tu le seras toujours. Hip hip hip, hourra! Vive le prince! Elsie! Tiens, Zou, tu es toujours roi? Oh, non, j'ai arrêté. Ce n'était pas si drôle que ça d'être roi. Et toi, tu es toujours reine? Non, moi aussi j'ai abandonné. Il y a trop de décisions à prendre. Je préfère jouer aux princesses pour le moment. Alors, je serai chevalier. Viens, partons.
partons à l'aventure. Je suis sûre qu'il y a des dragons qui se cachent dans cette forêt sombre. Allons-y. Regarde, un dragon.